Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Et voici donc le LOSC contre le Paris Saint-Germain. Grégoire Margoton pour vous servir. Et à mes côtés, notre expert maison, Darren Tullet. Merci Grégoire, on en a parlé ensemble avant le match. On espère assister à une belle rencontre. L'arbitre donne le coup d'envoi. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous? Aujourd'hui, je vois bien Lucas. Il est capable de mettre le public en transe avec ses chevauchées incroyables. Quand il part en dribble, eh bien j'adore. Oh, je vais pas vous contredire, c'est vraiment un grand attaquant. Ils ont été tenus en échec lors de la première journée, mais la saison sera longue, évidemment. Thiago Motta. Marco Verratti. Matuidi. Van der Wiel. Oh, Ibrahimovic. Dans le dos de la défense. Il peut y aller. Oh, la frappe. On a failli voir un but magnifique. Il a démarré juste au bon moment pour recevoir ce ballon. Mais cette finition, oh là là. Sans la frappe. Ibrahimovic. Ça n'était pas un ballon facile, mais il a bien mis la main, bien joué. Lille qui ne compte toujours pas de tir cadré dans ce match. Il reçoit le ballon. Va-t-il en profiter? Oh, ils vont pouvoir un peu respirer. Van der Wiel. Lucas Moura. Ils tiennent le ballon, mais c'est stérile pour l'instant. Il joue dans l'espace. On joue sur l'aile, il est servi. Il y a danger. Il tente sa chance. Là, c'est tout de même pas très rassurant de la part du gardien. Dans la profondeur. Pas de souci pour le gardien. Belle passe lobée. Bon, voici Matuidi. La passe est précise. Bon, voici Cavani. Dans le dos de la défense. Oh, but. But pour le Paris Saint-Germain. Il marque juste avant de rejoindre les vestiaires. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. On y est, le compteur est débloqué. C'est fait, ils ont ouvert le score, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Lucas Moura. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli.
Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Ah, ça a manqué d'envie dans cette première mi-temps. On va peut-être voir des changements pour la deuxième période. L'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Lille n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Ils peuvent remercier leur bonne étoile sur ce coup-là. Il n'a pas hésité, c'est propre. Il peut conclure. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Belle parade du gardien, c'est pas fini. Alors, comment vont-ils jouer ce corner ? Ils s'en sortent. Encore une bonne intervention. La défense bien présente. Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. Marco Verratti. Origi. Ça peut être extrêmement dangereux. Thiago Motta. Il cherche son coéquipier. Continue de progresser. L'arbitre siffle une faute. Maxwell. Cavani. Maxwell. Le ballon est perdu. Il va falloir revenir. Quelle solidité, bien joué. Thiago Motta. Maxwell. Allemand et ce magnifique tacle glissé. Attention, il ne reste que quelques minutes pour ne pas avoir de regrets en fin de match. Ils ont encore le temps de se créer une ou deux occasions. S'ils le trouvent. Dernière chance pour un centre. Il cherche à le servir. Et le danger est écarté. La défense bien présente. La défense tient bon. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est bien ce qu'il fait là. Le voilà servi. Pour trouver la faille dans la défense. Hors jeu. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Ce n'est ni la faute de l'arbitre, ni la faute de l'entraîneur. C'est sur la pelouse que cette défaite logique s'est jouée aujourd'hui. Oui, ils ont fait beaucoup d'efforts pour revenir dans le match malgré le but encaissé. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas suffi. On s'est régalé d'arène vraiment tout au long de cette soirée. Un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite. À très bientôt.